In de eerste plaats zouden wij u willen danken voor uw aanwezigheid vandaag om met ons samen onze 30ste verjaardag te vieren. 30 ans d'anniversaire, c'est quand même pas mal. Ce que je retiens de ces 30 années, c'est les amitiés, les contacts, les gentillesses des gens que j'ai pu rencontrer pendant toutes ces années-là. In de eerste plaats zal ik natuurlijk aan Thierry Roberti, waar hij zei... Thierry! Voilà. On applaudit Thierry. Voor meer dan 30 jaar samenwerking. Est-ce que vous imaginez travailler avec la même personne dans un bureau l'un à côté de l'autre pendant 30 ans? Donc on est vraiment un vieux couple. Quoi. Après ça, ik zal ook Fons de Lee bedanken... Et puis, je vais remercier Patty, Leila, Christelle, Pierre, vos jeunes medewerking. Il y a une personne toute particulière à laquelle je pense, qui ne va d'ailleurs pas vous étonner, avec qui j'ai passé une grande partie de ma vie et qui, j'espère, n'est pas finie, c'est ma femme. Elle m'a soutenu, et ce n'est pas toujours des cadeaux, elle m'a soutenu pendant 40 ans et je la remercie infiniment devant tout le monde. Merci, Fonfon. Voilà. Marc Eskens, je te remercie d'avoir accepté de nous dire quelques mots aujourd'hui sur l'importance de rendre l'entreprise pérenne. Et ik geef je graag het woord, Marc. En effet, le top management existe depuis 30 ans. Et j'ai un souvenir assez précis de cette séance au Cercle Gaulois. 30 ans. Le monde a complètement changé. La terre était toujours dure et ronde. Mais le monde est devenu fluide et plat. A flat world. De wereld is vlak en vloeibaar. En u bent de ondernemers in een vloeibare wereld. De wereld is ons dorp, le village planétaire, que j'appelle le globalistan. Door de ICT-revolutie zijn de productiefactoren gedematerialiseerd. De belangrijkste productiefactor is niet meer de machine, de grondstof, de aardolie. Nee, het is de informatie die leidt tot kennis en tot creativiteit. De politici gaan onze taalproblemen nooit oplossen. Maar de technologen gaan het doen. De technologie gaat de taalproblemen oplossen. Over 20, 30 jaar lopen wij of onze opvolgers rond met kleine toestelletjes, microcomputers ter grootte van een erwt, een klein bolletje, een speldenkop, eventueel gevat in onze ring, in het montuur van onze bril of in een piercing. Eindelijk zal de piercing tot wat dienen. En onze kleinkinderen en achterkleinkinderen gaan rondwandelen op het plein van de hemelse vrede in Peking. En die gaan Nederlands, moet dan wel standaard Nederlands zijn. Frans moet dan weer correct Frans zijn. Spaans, Italiaans, Engels enzovoort. Spreken met Chinezen en Chinezen spreken Chinees. En iedereen zal iedereen verstaan. Nu ga ik doen wat de mens onderscheidt van het dier. Dat is drinken, ook als hij geen dorst meer heeft. Dank u.